Bon, ben, je pense que j'ai été au bout du cours. Hein. On va peut-être faire une petite pause. On reprendra à 14h. Ça vous dérange pas si je coupe là? J'ai chaud. Hein. Donc, je vais mettre la main. Bouge pas, putain! Bouge pas, je saigne! Bon, écoute, tu vas saigner personne. Hein. On va causer ensemble. Vas-y, raconte-moi. C'est la faute de cette police et cette justice de merde. Une justice que pour les riches. Vous avez pas le droit de m'enlever ma fille? C'est là, c'est cette pute qui m'a quitté. J'ai rien fait mal, moi. Bouge pas. Ok, regarde, je recule. Je t'inquiète, hein. Je vais pas te faire ce pitch qu'on apprend à l'école de police. Ça, ce truc, c'est de la merde. Ça marche jamais. Le mec, à la fin, il finit toujours par buter quelqu'un. C'est trop du cul de psychologue qui ont pondu ce truc. Ils n'ont jamais été dans la merde comme toi. Moi, je connais ça. Putain, mais... Mais bouge pas, toi. Tu fais quoi, là? Oh, tu veux que ça pisse le sang partout, quoi? Non. Bah reste tranquille. Joue pas les héros. Bon, écoute, comment tu t'appelles? Pascal. Je veux voir ma fille. Maintenant. Ok, Pascal. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces ciseaux? Tu vas peut-être les gratiner, en vérité. Toutes ces conneries de jugulaires qui pissent le sang avec des ciseaux. Sérieusement, Pascal. Tu crois pas toi-même? Alors que ça, tiens, regarde. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fous là? Regarde ça! Ça fait de plus gros dégâts! C'est plus sérieux ça! Ah, t'es plus crédible avec ça, hein? Allez, tiens, vas-y, on échange. Non, mais moi je vais faire de mal à personne! Je veux tuer personne! Je veux juste voir ma fille, putain! Je m'en vais pas! C'est hautement plus classieux! Oh! On se comprend, nous deux là! Les mecs comme nous, faut qu'on tue avec panache! Mais je suis pas un tueur, moi! Je veux juste que vous disiez à mon ex de me laisser voir ma fille, putain! Allez, vas-y, tiens, prends-le! Camille, qu'est-ce que tu fous, la merde? Attends, yo, il veut qu'on l'aide ou merde? Tu veux qu'on t'aide ou merde? Oui, putain! Alors lâche ces putains de ciseaux, connard! Hé, rattrapez-le, là! Merci! Lâchez-moi! Dis donc, tu as gardé de beaux restes de ton ancien mutilateur, toi? Comme le vélo? Ça s'oublie pas. Par contre, la prochaine fois, je préférerais que tu t'en tiennes au speech de l'académie. Ok? Ouais, chef. Tu veux pas une bière? J'ai le choix.